Bonjour, bonjour, tout zami nou yo, à la ronde, badè, qui ont ennuyé, c'est zami ou frère ou Faniel Sikovida qui est entré la cala. Et nous sentions immense réel plaisir, nous rejoignons sur la plateforme, non? Nous allons continuer par bonjour information. Vous savez, depuis quelques jours, nous sommes maintenus en silence. Et ce silence, c'est juste pour nous capables de tourner en force et nous avons un petit problème. Technique, c'est ça qui permet que si Covid a passé quelques jours de silence. Bon, maintenant nous revoici mes chers amis. Nous pas dans et question silence là encore. Nous pourrons et partager avec vous information. Donc on est objectif moins c'est pas bon nous information pour information. Mais objectif moins c'est les que gagnons information et puis moins partager information ensemble avec vous. Comme ça, moi aider ou gagner idée de ce qui a passé et de nouvelles décisions qui prend. Que je sois bon côté gouvernement haïtien, hein, que je sois bon côté gouvernement dominicain, et précisément nous toujours intéressés aux affaires migratoires. Ça veut dire tout ça qui est pour ensemble avec l'immigration en Haïti ou à l'étranger, nous intéressés à ça parce que nous connaissons que nous gagnons un pile haïtien qui a vu dans la diaspora. Et ça très intéressant, très important pour nous capables de chercher qu'on est, eh bien, comment immigration dans le pays, que ce soit les États-Unis ou pays République Dominicaine, Mexique, Chili, Brésil, entre autres, fonctionner. Au même temps, regardez-nous pour la première fois et vous faites tomber sous Chanel Zala et tout bon nous y ont abonné, un petit doigt de pouce comme ça. En activant la petite cloche, ça pourra nous permettre qu'on garde à toute vidéo qu'on va gagner pour nous poster pour. Tout de suite, nous allons entrer dans le sujet pour aujourd'hui, hein, qui pourra le baser sur l'immigration dans le pays de la République dominicaine depuis 2015, qui vient avec un plan national de régularisation pour les étrangers. Et bien, et côté que nous gagnons un pays haïtien qui bénéficie et gagne monde qui toujours après les moins pour yo dire yo même mais qui statut yo mais qui ça doit faire pour monde ça qui compte poser une question ça et ben moi pour aller dire nous qui ça pour faire dans vidéo ça garder vidéo de commencement jusqu'à la fin parce que surprise pour le bail la donne ou relez nous pour information et ben n'a pas information. Donc on est dans le plan national de régularisation, hein, gagné moun qui était bénéficié de cédula, ça veut dire carte d'identité dominicaine, non? Gagné moun tout qui bénéficie de un permis de travail, ça veut dire qui renouvelé chaque un an à un moment donné au cas coupé. Mais ça nous voulons comprendre, gagné moun tout depuis en 2015 qui pas bénéficié en yem du tout. Par exemple, les plans ont été fin vini en 2015, les ont inscrit avec passeport ou bien carte d'identité haïtien ou bien acte de naissance haïtien. Yobaou yon tiré sur blanche qui gagne la donne numéro document que vous pouvez gagner. Li gagne la donne tout information, par exemple, nom, prénom. À l'âge, ça très intéressant. Maintenant, gagne moun yo rele après 2-3 mois, gagne rele après 1 an, gagne rele après 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois, yo te ban nou yon sticket bleu pour mettre sous passeport ça en pile moun te rele yon visa. Ki pat yon visa parce que et catégorie c'est pat yon visa qu'il te. Après 2 ans, yo changé ticket ça à yon ti carte. Yo changé la anti carte bleu et blanc pour 2 ans. Ça fait nous passer à 4 ans. Mais pas oublier, yo te fait 1 an, yo pas renouvelé. Par exemple, yo ba li en 2015, de 2015 à 2017, 2 ans, 2017 à 2018, yo pas te renouvelé. Yo commencé à renouveler yo en 2018. Yo vin bay yon document pour 2020.
bleu blanc qui égale 2 ans. Et maintenant, yo a renouvelé encore en 2020 pour 2021, yo ba yon petit carte blanche tête coupée avec résidence, même structure, même bagaille qui la donne, même information sauf que titre et permis de travail qui ba là, li marqué permis de travail, permis de travail temporal pour un an et puis résidence là marqué résidence temporal pour un an. Ça veut dire quoi? Même numéro qui gagne dans 4 résidences, c'est lui qui gagne dans nouveau 4 permis de, permis de travail qu'il y a là. Mais ça, moi, je veux nous connaître, nous comprendre dans ça. Ça, c'est pourquoi il y a une résidence définitive. Parce que il n'est pas marqué résidence. Mais il gagne toute structure en résidence. Gain. Numéro a commencé par 2 initiales. Normalement, il commence dans l'année que vous faites là. Après l'année que vous faites là, après vous mettez initial nom, titre avec nom, et puis vous mettez environ 7 chiffres derrière qui ont un total de 11. Je comprends bien la situation. Maintenant, la grande question. Nous avons dit nous garder la vidéo de commencement jusqu'à la fin parce que vous avez une information. Il y a un monde qui a bénéficié de récit blanc. Qui te gagne un numéro commencé DO0, non DO, très digne, 00, et puis on commence à mettre chiffre derrière là, tu gagne 6 chiffres. Si c'est petit 4 blanc sac, non mais toujours, qu'est-ce qui sont doué faire alors? Qu'est-ce que vous devez faire? M'a dit ça une fois pour toutes. Information m'a baillé, yo, prends information, yo, pas appeler des rilim. Wap. Aller dans la direction générale de l'immigration qui vient dans Plaza de los Héroes à la fin de l'avenue Chochi, Siwa Santo Domingo, ou pour aller avec lui, ou pour aller dire directement, ou même, ou pas bénéficier en rien même, mais s'en joindre, c'est qui ça ou lui fait. Et agent qui recevait voilà, il pourra dire, écrit une lettre à la direction générale de l'immigration pour dire que en 2015, ou pas de venir à elle-même, qui sont de fait. Et il y a une possibilité pour yo capable d'entrer dans le plan national de régularisation, dans le nouveau, parce que vous avez un bagage plus ou moins qui est dans le système. Nan. Maintenant, il y a des questions à poser. Pour quelle raison c'est qu'on est venu? Ou à dire, c'est parce que non, pas jamais sorti ou même. Et chaque jour, aller vraiment, il y a c'est tant pour tant. Sous tes ticket blanche, la première action proposée, c'est aller dans l'immigration, demander information, ou bien écrire une lettre dirigée à la direction générale de l'immigration en République dominicaine pour dire que, mais qui ça ou même, ou te joignes ou pas joignes rien du tout. Immigration Abdou, qui ça pour faire? De deux possibilités. Ce soit immigration entrée ou dans un nouveau plan, ou bien immigration d'où, eh bien, ticket pour là, l'icarduc, ça veut dire l'air passé déjà. Mais l'orgue ticket blanc, pas arrêté sans fin. Ok? Allez dans l'immigration, ou bien écrire une lettre pour diriger vers la direction générale de l'immigration pour expliquer. Car, mes chers amis, si vous avez aimé, tant mieux, dans le cas contraire, la vie continue. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous le moral. Tant que va le moral, tout va. Bonjour, au revoir.